Attention. Antenne dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Antenne. Elle annonce ubi et orbi la naissance de son démission. Sans mon avis, évidemment. Vous ne contrôlez même pas votre femme. Regarde, Christine Beauval, la femme idéale. Quand j'ai dit à cet imbécile de journaliste que je voulais donner la parole aux femmes, tu sais ce qu'il m'a répondu? Mais pourquoi faire? La première liaison télévisée France-Amérique, c'est pour ta pomme. C'est le général lui-même qui tient à te la confier. Vous n'avez aucune compétence technique. Allez expliquer ça au général. C'est mon projet qui risque de passer à la trappe. Portrait de femme n'est pas mon projet, c'est le sien, et je crois qu'elle est sien. N'en doute pas, mais c'est terminé. Je te rappelle que j'ai arrêté mes études pour élever nos enfants. Et maintenant que je pourrais faire autre chose à la télévision que l'idiote de service, tu me demandes d'y renoncer. J'aimerais que vous m'organisiez rapidement des essais de speakerine. Mais pourquoi? Pour trouver notre nouvelle paire. Il va tout faire pour vous nuire, hein, à l'un comme à l'autre. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants, à peine de la maison, ça peut plus durer comme ça. Au fond, ce que tu ne veux pas, c'est que j'existe. C'est pas parce que votre mari est pistonné qu'il faut vous croire tout permis. Personne n'est irremplaçable, c'est bien ce que vous me dites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'on s'en débarrasse.